Bonjour, on va écouter une chanson. Invitez vos amis, on va parler un peu. Ma Côte d'Ivoire est malade. Je dédie cette chanson à mon pays, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Pour leur dire que dans les moments difficiles que le continent traverse, nous sommes là. Oh! Je suis tes yeux. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson. Oh! Aucun droit d'auteur sur toutes les chansons de ce direct. Hein? On est là, en tout cas. Quand la chute te frappe, oh. Et que tu perds tes repères, ouvre les yeux. Invitez vos amis, taguez des gens, envoyez tous les partis politiques, taguez. Invitez. Je suis là. 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 Eh, Côte d'Ivoire. Eh. Je suis ton oxygène. Je suis ton oxygène, Côte d'Ivoire. Je suis tes yeux. Invité, hein? Je suis ton soutien. Oh? Oh? Sache que je suis ton pays. On est déjà entré. Oh? Ne me laisse pas tomber, Côte d'Ivoire. Je te laisserai jamais tomber. Hein? Même si je te sens. Hein? Invitez vos amis. Moi, je ne peux pas inviter beaucoup. Ça y est, ça commence. Même si tu te perds dans l'angoisse, que la tristesse de ton quotidien, suis là. Dans la tristesse comme dans la joie. Je suis là. Côte d'Ivoire, chérie, je suis là. Hein? Je suis là. Hein? Je serai là. Je suis là. Et je suis là. Eh? Je suis là. Une deuxième chanson, invitez vos amis, taguez les partis politiques là. Taguez vos amis. Son salaire, Dieu, tu l'as dit dans ta parole. Rien que pour ça, oh. Le verset qui est le jour, c'est la pluie, le soleil, je ne vais pas couper.
serait sa meilleure. Mais là encore, y'en a qui sont jaloux de ça. Hey! Y'en a qui sont même pas contents. On s'en fout, hein. Maman, soyez salué, Koboke. Kato, sois salué depuis ta position. Chérie Giovanni Bamba, bisous là-bas. Ma petite soeur chérie Edith Denegna. Mon général. Oh? Invité. Edith, partage dans le groupe. Moi, je peux pas. Hein? Tu connais affaire là. On les fait trembler. Oh? Hey, j'ai fait un post tout à l'heure. J'ai dit politique de Côte d'Ivoire. Si tu as compris quelque chose dedans là, faut vite consulter un docteur, un psychiatre, parce que tu n'es pas loin de la folie. Invitez, partagez dans les groupes, vous qui pouvez. C'est comme ça les messages vont passer et puis ça va rentrer dans leur youkri. Voilà, fracassage. Partagez, hein, partagez famille. C'est ce que je peux vous demander. Moi, je ne peux pas partager. Ils m'ont bradé partout. Voilà, même les gens même. Mes gens même me signalent, donc vous voyez. Mais là encore, il y en a qui sont partagés, partagés. Il y en a qui sont même pas contents. Il est sans, il est sans, il est sans. Il est sans jaloux. Invitez vos amis, taguez, partagez. Partagez. C'est quoi ça? Ça va pas chauffer. On va genzin. Genzin là et des genzin li. Jamais, jamais. Ils ne sont pas Dieu. C'est Dieu qui décide. Oh, invité, montez le mercure. Oh. C'est le Dieu. Invitez les gens, non? Ou bien, vous avez mal au doigt. Invitez les gens. Maman Gbagbo, faut faire ton travail là, ou bien? Mon général, 20 étoiles. Femme forte. Voilà, toi tu parles pas, tu agis. Faut laisser les chihuahuas aboyer. Faut laisser les chihuahuas. Calcule plus, avance. Toi tu es une vraie femme. C'est pas les gens avec des clitoris déformés là. On n'est pas dans ça. C'est une vraie go. Donc voilà, c'est quoi ça y est? Réponds plus, tu as parlé, c'est bon. Calcule plus, avance. C'est quoi ça y est? C'est moi qui dis ça. Voilà. Famille, c'est votre soeur Naomi Vétiédé. Partagez le direct. Partagez, on va parler à nos dirigeants là. Pas nos opposants, voilà. Nos opposants, opposés à eux-mêmes. De toute façon, on ne comprend rien dans l'histoire là. Hein. Soyez salués, Dieu, Jésus, sois salué. Depuis ta position, soyez tous salués. Adjoa Kwasi, sois salué. Edith, partagez. Taguez les gens. Gay Nicolas, sois salué. Victoire Blo Bagua, ma petite soeur chérie, toujours calée, merci encore. You, Zinga, oui, mon éléments, ma petite soeur chou. Bisous là-bas. Soyez tous salués. Excusez-moi si j'ai été un peu vulgaire là. Parce qu'il y a des gens qui nous énervent souvent, ils nous poussent vraiment à dire n'importe quoi. Yeboua Mocha, ma fille, bisous là-bas. Agil, il dit, ah, ça s'est bien passé finalement. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Bisous là-bas, bisous encore. Soyez tous salués. J'ai fait un direct tout à l'heure, j'ai fait un post
où j'ai dit, je vais être rapide, hein, je vais être rapide parce que je dois partir au boulot aussi. J'ai dit que la politique de Côte d'Ivoire, si tu as compris là, c'est que si tu, vraiment tu es sûr d'avoir compris, il faut consulter un psychiatre. C'est que la folie là, c'est à côté de toi, ça vient. Il faut consulter un psychiatre parce qu'on ne comprend rien. Ce matin, j'ai vu un petit extrait de quelque chose dans un forum où je suis, où il y a quelqu'un qui parlait, mais j'ai pas, comme je ne les connais pas tous ces zozos-là, mais j'ai reconnu le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Il paraît que Dramane Ouattara envoie le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan pour représenter la Côte d'Ivoire. Mais je ne comprends pas. Vous voyez ça? On est ensemble, on n'est pas ensemble, on est ensemble, on est avec l'autre. C'est-à-dire, ils prennent nos cœurs là pour faire yo-yo. C'est comme ça, ça balance comme ça. C'est quoi leur rôle au fait? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Dramane Ouattara va envoyer M. Pascal Affi-N'Guessan représenter la Côte d'Ivoire. Puisque lui-même, il peut aller représenter le président Laurent Gbagbo pour qui on se bat. Donc, c'est un peu confus dans ma tête. Des fois, je me dis, parce que je donne raison à d'autres membres de ma famille qui me disent, oui, toi qui passes ta vie à lutter, mais ces gens-là, ils sont ensemble, c'est vous qui ne comprenez rien. Des fois, il y a de quoi se poser des questions. Parce que nous, on combat Dramane Ouattara, mais on ne comprend rien. On ne peut pas combattre quelqu'un qui est avec ceux qui disent qu'ils combattent avec nous. Hein? Qui sont avec ce monsieur-là. Ceux qui disent même qu'ils combattent Dramane avec nous, là, ils parlent avec lui. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quelque chose. C'est à ça qu'on assiste. Regardez-moi, même le cas d'Amontano, ce monsieur-là dont le visage, on dirait, sous la marmite d'une veuve, là, une pauvre veuve. Hein? Tellement elle a une seule marmite dans laquelle elle fait sauce, riz, tout ça. Là. Marmite l'a tellement travaillé que c'est tellement noir, la noirceur, il n'y a pas son pareil, c'est le visage d'Amontano, ça. Ce monsieur-là, il est venu ici, il dit, il était avec nous, il crie, mais le fait qu'on ait bloqué son compte, il a eu peur de la fin, il est parti avec Dramane Ouattara. Comment vous voulez-vous que le pays s'en sorte? On a des gens qui n'ont même plus de dignité. Et puis les gens disent souvent, oui, les Akans sont, le peuple Akan est un peuple digne. Oui, mais ça c'était avant. Même le peuple Ouel, c'est un peuple très digne. Le peuple Godien, le peuple Abikam, le peuple, tous les peuples ivoiriens sont des peuples dignes. L'ivoirien même est quelqu'un de digne. Mais maintenant là, on assiste à des fossoyeurs politiques. Des gens qui pensent à manger, ils n'ont plus de dignité. La dignité, là, c'était au temps de nos parents. Mais maintenant, là, ils sont devenus tous des voyous. Des, je ne sais pas, il n'y a plus de dignité. Il n'y a pas un peuple aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui peut dire qu'il est digne plus que l'autre, il n'y en a pas. Eux tous, là, il y a des mauvais partout. Donc ça, là, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise tous. Le roi même est devenu, même il donne les armes à Dramane pour tuer ses parents. Vous voyez, ça là, ça ne pouvait pas se faire. Le roi avant, quand il se regardait, on se comprenait. Mais c'est fini partout, il n'y a personne. Ils sont tous des voyous. Tellement ils ont peur de la faim, ils sont devenus autre chose. Donc, il n'y a personne, il n'y a aucun peuple qui est supérieur à un autre, qui a la dignité, qui peut dire, mais regardez même, à l'époque, les rois là, les rois, quand ils parlaient, regardez comment on se soumet. On pouvait même se prosterner devant eux. Mais aujourd'hui, même le roi, c'est un marmailleur. Les reines, là, marmailleuses, c'est des vendus. Ils pensent qu'à leur gosier, ils s'en foutent même de leur royauté. Ils s'en foutent. Ils sont avec Ouattara. Quand Ouattara dit au roi, dit ça, c'est ce qu'il dit. Pourtant, avant un roi, autant du fouet de Boigny, même Oufouet va parler, le roi, il ne fait pas. Parce qu'il a sa dignité. Mais aujourd'hui, là, il n'y en a pas. Il n'y a aucun, c'est des flocons. C'est des flocons. C'est à ça qu'on assiste. Partout en Côte d'Ivoire, tout le monde fait la loi. Il y a le petit, comment il s'appelle? Le jeune footballeur. On tabasse sa femme parce que quoi? Madame dit, et ceux qui l'ont tabassé là, la dame du propriétaire de l'immeuble dit, parce que quand tu es ami à la plus grosse pute de Côte d'Ivoire, Dramane Dominique Nouvian, tu peux te permettre tout. Tabasser les gens, frapper parce que tu es avec une pute. Ça, c'est un luxe. Traîner avec des poufias. C'est un luxe aujourd'hui que les gens, ils sont là. Là, moi, je suis à être. Vous pensez que Dominique Ouattara, c'est une référence? Moi, j'aurais honte même à votre place.
Moi, j'aurais honte à votre place de dire que je connais Dominique Ouattara. Pour moi, c'est une honte. Ce n'est pas une référence. Je préfère dire je connais Simone Gbagbo. Je connais Henriette Bédier. Je connais, Marie-Thérèse Oufouette-Boigny. Ça, c'est des femmes, des références. Mais Dominique Ouattara, c'est qui est passé sous tous les hommes. Il n'y a que le TGV qui n'est pas passé sur elle. Tout le monde est passé sur elle. Celle-là, c'est une référence pour vous. Vous faites honte. Vous faites honte. Ce n'est même pas quelqu'un qu'il faut dire tu es ami avec elle. C'est une honte. Viens encore être ami avec moi. Je suis même mieux que celle-là. Ce qu'elle a de mieux, c'est l'argent. Peut-être si tu es un assoiffé qui n'a pas de dignité, tu peux être fier d'être avec elle. Sinon, elle est qui? Elle n'est rien, Dominique Ouattara. Donc arrêtez. Vous maltraitez les gens. Vous avez des gens qui vous poussent à maltraiter les gens. Oh, je suis avec Dominique Ouattara, je suis avec Ahmed Bakayoko, je suis avec... Donc toi, tu dois tuer parce que tu es avec eux. Quand on parle de ça, vous êtes là, vous insultez, vous menacez les gens. Hein? C'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça, ce que vous suivez là. Vous qui tournez vos vestes vite, vite là. C'est-à-dire vos vestes même, il n'y a pas de boutons. Tellement vous êtes indécis. Parce que s'il y a bouton là, vous pouvez au moins déboutonner, ça prend du temps. Mais la veste, elle est comme ça sur vous, comme cap. Vous êtes des hommes et puis vous mettez des vestes en cap pour vite changer. Tellement vous n'avez pas de dignité. Nous là, on est droit dans nos bottes. Gbagbo n'a pas l'argent, mais on est avec lui. On est avec lui jusqu'à l'escalade. On est avec Maman Simone Gbagbo. Même dans leur pauvreté, on est avec eux. On est avec Blé Goudé. On préfère même être avec les pauvres, avoir notre dignité, qu'être avec des gens. Vous qui mettez tête de mort, c'est petit. Hein? Mettez les tombes, les ossements de vos parents, vos grands-parents qui sont morts là. Mettez-la. Et puis moi, je vais décapiter ça. C'est de ça il s'agit. Vous croyez que vos 1-1 tête de mort, là, ça va faire quoi? Ça ne peut pas faire quelque chose. Je suis là, sur votre dos. Donc vous là, vous qui pensez que la Côte d'Ivoire vous appartient, on m'a envoyé une vidéo là, tout à l'heure, que je viens de partager. Un Burkinabé, on dirait quelqu'un qu'on a déterré, qu'on a enterré dans une tombe en charbon. C'est-à-dire tellement ça a déteint sur lui comme on les roule dans pagne là. Tombe là, c'est comme si on avait construit charbon pour le foutre dedans, pour l'enterrer des années. Et puis on l'a sorti, le teint même, tu n'arrives pas à différencier si c'est un être humain ou quoi. Il tenait tête à un policier, quelqu'un qui a l'autorité. Il dit qu'il ne fait pas si même, il tient même la scie. Le monsieur dit qu'il ne faut pas scier, il continue. C'est ça là qui est la Côte d'Ivoire. C'est ça, dans ça là, vous voulez qu'on reste. Le policier même peut rien dire devant un Burkinabé, un inculte, un illettré qui a quitté son pays pour venir chez les gens. Il fait la loi. Quand on vous dit changeons les choses, battons-nous pour changer les choses, il y a nous-mêmes, nos membres là, nos parents qui se mettent avec celui-là pour trouver normal que c'est normal. Tout le monde est ivoirien. On doit faire comme ça, xénophobie. Je suis xénophobe et puis ça ne va rien vous me faire. Ça ne va rien me faire, je ne vais pas changer d'un iota ma xénophobie là, que vous trouvez là. C'est vous qui trouvez parce que ce que moi je dis là, c'est partout pareil. Le Gabonais il dira ça, le Congolais il dira ça, le Camerounais il dira ça. On n'a pas dit on ne veut pas d'étrangers, mais on dit quand tu viens là, il faut savoir rester à ta place. Vous êtes là tellement, vous êtes des moutons, vous êtes des assoiffés, vous êtes là, vous vous exposez. C'est vous qui voulez être gentil. Vous pensez, les gens, ils préparent leur, ils protègent leurs intérêts, ils protègent leur pays. Demain, quand on va vous arracher le pays, c'est vous qui irez chez les autres pour faire chier là-bas, pour chercher la merde. Parce que vous n'avez pas protégé votre pays là. Si on vous arrache, débrouillez-vous. Ne partez pas chez les autres pour faire la loi. Vous avez, le monde les partagé. On dit les patrons sont partagés. Dieu a donné la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, Congo aux Congolais. Cameroun au Camerounais. Toi, tu ne peux pas Burkina au Burkinabé. Et puis, les autres pays, là, l'Afrique centrale, ils n'ont pas ce comportement bestial, là. C'est que les Burkinabés, là, les Maliens, les Guinéens, ceux de la sous-région, là, c'est eux, même les Togolais, ils sont un peu mieux. Hein? Mais les Burkinabés, là, leur visage, même quand tu vois, même ça ressemble à un animal. Je m'excuse, les Burkinabés, ce n'est pas tous les Burkinabés. Ceux qui comprennent là, vous n'êtes pas dedans. Mais les chiens qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire chez nous là, qui pensent qu'ils sont arrivés là, c'est d'eux que je parle. Je ne parle pas des intellos, des vrais Burkinabés dignes, qui sont fiers d'être Burkinabés. Pas les animaux que Dramane Ouattara a parachutés en Côte d'Ivoire avec lui là. Que Blaise Compaoré, le chien de Ouaga a ramené là. C'est d'eux que je parle.
On ne peut pas être chez les gens et vouloir faire la loi. Tu ne peux pas faire la loi chez les autres. Ici, nous, on est là. Même avec la nationalité française, on sait notre place. Malgré qu'on a la nationalité française, tu es français, mais tu es français de seconde souche. Tu ne vas pas venir voir un Dupont et puis faire la loi sur lui. Même toi-même, là, ton cerveau, là, tu dois réfléchir à condition que tu sois malade. Les gens, ils sont là, ils pensent que c'est comme ça. Tu fais tout. En Côte d'Ivoire, c'est la poubelle où tout le monde fait tout. Tu as envie de frapper quelqu'un, tu le frappes, ça ne va pas quelque part. Tu es un étranger, c'est toi-même qui m'attraite. Tu as la priorité, tu as tous les droits. Et on a des gens qui sont là, des poubelles qui se disent procureurs à Dou Richard, la tête de noix de coco, mal arrosée là. Lui aussi, il vient condamner les dignes fils quand ils se plaignent. C'est ce qu'il a pris là. Son droit là, c'est pour exécuter ça sur les Ivoiriens. Il y a des bons Burkinabés. C'est ce que je dis. C'est pas tous les Burkinabés. Je dis, je parle des animaux là. Les animaux que Dramane Ouattara a ramenés dans nos forêts là. Qui taillent nos parents. Hein? Qui les tuent pour rien. Et puis les gens sont là. Les politiciens, nos politiciens là, ils sont là. Quand on parle, il faut aller au dialogue. Vous avez dialogué, ça fait 10 ans, ça dure. Le calvaire des Ivoiriens va s'arrêter quand? Dites-nous quand? Votre dialogue sans fin là, quand ça va s'arrêter? Posez des actes concrets, c'est ce qu'on vous demande. On ne vous parle pas de dialogue. Vous avez dialogué. Les bons Français, Victor Hugo même là, vous avez fini avec ça. Dictionnaire là, vous connaissez par cœur. Le monsieur dit, il ne fait rien avec ça. Il dit, va vous maltraiter, vous et vos parents Ivoiriens. C'est de ça on parle. Qu'est-ce que vous faites? Quel acte vous posez? Ou bien vous, ça ne vous dit rien. Vous êtes tellement arrivés, vous gagnez à manger. Vous gagnez à manger, vous les politiciens. Les gens, le monsieur, il est là. Vous pensez qu'un animal, là, vous pouvez dompter un animal, dresser un animal comme un être humain? Vous ne pouvez pas. Ouattara, c'est un chien. Quand on vous dit ça, vous pensez que, oh, Naomi, elle insulte. Ce comportement-là, quand vous le regardez, là, c'est un être humain qu'on peut raisonner, avec qui on peut dialoguer. Le monsieur est arrivé par les armes. Il faut le chasser de force. Préparez la population à le chasser. De quoi vous parlez là? Vous nous fatiguez? Vous faites agoniser nos parents dans la souffrance? Et puis vous allez nous dire il y a le dialogue. Quel dialogue qui n'a pas de fin? Ça n'a pas de début ni de fin. Ça a début. Mais la fin, ça n'arrive jamais. Et puis vous allez venir nous distraire. Aujourd'hui là, j'ai dit, tout ce qui me passe par la tête, je vais sortir. C'est pour ça, moi, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Ça sort comme ça sort. Il y a une soeur qui m'a appelée ce matin. Elle me dit, Naomi, oui, tu as vu la guêpe, ce qu'elle a dit. Elle a parlé, elle dit, elle ne regrette pas ce qu'elle a dit. Moi, la guêpe, là, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. On s'est vu seulement à la manifestation, notre première manifestation de Dream Team. C'est là on s'est vu. Mais quand tu regardes ce qu'elle dit là, moi, je supporte le président Laurent Gbagbo. Mais quand tu écoutes ce que la guêpe dit là, moi je ne suis pas le président Laurent Gbagbo, pourquoi? Parce que je me dis qu'il est toujours en prison. Même ce que les gens vont dire, que Gbagbo a dit, qui énerve les Ivoiriens là, moi je suppose que ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, les gens parlent à sa place. Mais quand tu écoutes là, si c'est vraiment le président Laurent Gbagbo qui a dit, c'est énervant. C'est énervant. Les enfants des gens sont morts. Quelles choses on va faire là actuellement? Tout ce mélange qui arrive là, tout ce tohu-bohu, tout ce micmac là, on ne comprend rien dedans. On ne comprend rien dedans. C'est fatigant. Nous, c'est par l'amour du président Laurent Gbagbo qu'on s'accroche à ça. On dit, bon, il est en prison, il faut accepter que ce n'est pas lui qui dit ça. Mais si c'est lui-même qui n'est pas en prison, il dit ça là, on va s'énerver. Même moi, Naomi, je vais lui dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous n'avez pas été fichu d'aller aux élections présidentielles. Qu'est-ce qui a changé là actuellement? Et puis on va y aller aux législatives. Dites-moi, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a changé? Bonjour. Bonjour, famille. Soyez tous salués. Qu'est-ce qui a changé? Parce que je vois que les gens sont toujours en prison. Hein? Les gens sont toujours en exil. Hein? Dogbo Blé, Baba Fosunyo, tous ceux-là, ils sont toujours dans leur prison. Ouattara sort seulement ceux qui veulent sortir. Mais vous là, les enfants qui ont manifesté à Bangolo, dans les villes, et en bateau, tout ça, qui sont en prison. Vous avez pensé à eux? Vous pensez que ce n'est pas des Ivoiriens? Ou bien vous leur avez retiré leur droit de vote? Mais quand on parle de ça,
Les gens vont venir faire comme ils savent. Il y a les athées là qui disent, d'après, ils connaissent politique. Hein? Elles vont venir insulter les gens. On parle de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de moi, je suis... La France me donne l'argent pour venir semer le trouble. Maman Gbagbo, je t'ai dit tout à l'heure, parle pas, hein, réponds pas. Parce que son rôle là, c'est ça, distraire les gens. Nous distraire, faut pas répondre. Faut pas répondre. C'est nous distraire. Concentre-toi sur ton combat. Toi là, tu as posé des actes. Elle, elle a posé quoi? Si c'est pas s'asseoir devant WC pour attendre l'encaissement, quand je suis secrétaire. Quel secrétaire? Il faut laisser, concentre-toi sur ton combat. Il faut la laisser dans ses problèmes. Il ne faut même pas aller chez elle. Il faut la laisser dans ses problèmes. Parce que son rôle là, c'est de te distraire. Tu vas faire vidéo sur elle au lieu de faire sur Draman Ouattara. C'est lui notre ennemi. C'est pas, tu n'as rien à foutre avec elle. Laisse-la dans son coin. Laisse-la comme ça mourir de sa belle mort. Laisse-la. Quand tu la regardes là, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Quand tu regardes même, tu sais qu'il y a un problème. Que Gola même, c'est soyez même grave. Donc, il ne faut même pas répondre, ma petite soeur. Concentre-toi au lieu de faire vidéo sur elle-là. Ça te perd le temps. Cette vidéo-là, fais sur Draman Ouattara. Informe les Ivoiriens, les Africains des agissements de Draman Ouattara sur le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit faire. Il ne faut même pas la calculer. Donc, famille, je vous dis, il faut que vous nous expliquiez. On a jusqu'au 6 là. C'est encore loin, parce qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien. Tout ce qui se passe, surtout quand j'ai vu la vidéo, le petit bout de truc de Afin Guessant là, que Ouattara l'envoie à chez eux, je ne comprends pas. Quel les Afidé, expliquez-moi, parce que je ne comprends rien. La politique de Côte d'Ivoire, je vous dis, si tu as compris là, un conseil, va voir un psychiatre, fais un bilan neurologique, parce qu'il y a quelque chose qui va se... qui va sauter dans ton crâne. C'est que tu es fou. Tu n'es pas, tu es voisin de la folie. Tu es voisin. La folie même va venir dans peu de temps sur toi. Parce que c'est pas possible. On comprend rien. Moi, je ne comprends rien. Celui qui comprend là, il n'a qu'à venir dans mon inbox. Il m'appelle, on échange, il va m'expliquer. C'est trop lourd. J'ai jamais vu cette politique là dans le monde. Harriet Tubman. Je ne comprends pas bien. Je parle de quoi là? Je parle de la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Donc, je parle de la Côte d'Ivoire. Si tu... Je ne sais pas si c'est de moi que tu parles, mais bon. Moi, je pense que je parle de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est important. Il faut que les gens nous expliquent. Parce qu'on n'a rien compris. Moi, je n'ai rien compris. Ce qui arrive là, je ne comprends rien. Les gens sont venus me dire qu'au début, oui... comment dirais-je? C'est une stratégie. Mais la stratégie, là, est en train de se finaliser, se concrétiser. Donc, je ne comprends rien. Vous y allez ou vous n'y allez pas? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous pensez que... Expliquez-nous au moins quelque chose. Expliquez-moi. Surtout, moi, j'en ai besoin. C'est moi qui comprends le plus rien dedans. J'en ai vraiment besoin. On ne peut pas dire que la CI n'est pas bonne et puis patatrac. Quelque temps après, dit qu'elle est bonne, on y va. Il faut nous expliquer au moins qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui disent qu'ils vont, il y en a qui disent qu'ils ne vont pas. Donc, on ne sait rien. On est perdus. On est tous perdus. On est tous perdus. Moi, les gens m'appellent tout le temps. Parce que quand vous êtes venus me dire, c'est une stratégie. Ceux qui se plaignaient, j'appelais certains pour dire calme-toi. Mais là, où ça va là, ça va où? On est là déjà, si c'est arrivé. Hein? Février, fin février, demain, c'est le... Ça va où on ne comprend rien? Hein? On ne comprend rien? On est tous devenus fous. Attends. Vous allez nous rendre fous? Les gens sont en train de tomber. Hein? Vous ne savez pas, surtout certains Ivoiriens qui pensent qu'ils sont... comment dirais-je? Ils quittent l'opposition. Vous allez... Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose. Il faudrait comprendre ça. Ouattara, là. Vous allez tout faire. Quitter l'opposition. Vous, les Amontano, compagnie qui vous ralliez là, vous êtes des futurs morts. C'est moi qui dis ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Suivez bien le... On dit Alain Gauze est mort, non? Il est en train... comment il s'appelle? Dibi ou quelque chose là. Il y a un Dibi qui était mort aussi, empoisonné. Il est en train de... Vous pensez qu'il va vous faire confiance? Ce monsieur n'a rien à foutre de vous. Si vous comprenez ça là, même les Wouloto là, c'est des futurs décédés.
Vous allez voir, il vous empoisonne. Le poison là, il est dosable. On dose ça, on peut t'empoisonner pour te donner un délai. Dans six mois, dans 4 ans, dans 5 ans. Vous pensez qu'il est là pour jouer? Lui, il est venu. Ah, ok. Ariel, excuse-moi alors. Excuse-moi. C'est vrai. Il faut on n'a qu'à se concentrer sur notre pays. Arrêtez nous distraire. Donc, le poison là, il dure. Il peut durer. C'est ce qui est là. Vous quittez seulement quand on dit il y a la faim, vous fuyez. Vous ne pouvez pas supporter la faim. Vous partez avec lui. Vous êtes avec, mais il va vous tuer. À Montano, il va te tuer. Il ne faut même pas te presser. Ce que j'ai vu aujourd'hui d'Afi Nguessan, là, je sais que lui, on l'a maltraité en prison. Donc, eux tous là, ils sont... Mais quand il y a quelque chose, dites-le. Il faut le dire. Le monde entier va savoir que vous avez des pressions. Moi qui suis là, quelqu'un va me mettre la pression. Je vais tuer tes enfants. Je vais dire, il faut tuer. Au moins, le monde saura que tu as tué mes enfants, tu m'as fait pression. Mais les gens sont là, ils ont peur. Vous êtes là, vous acceptez des choses. Nous, on vous insulte. Vous pensez que demain, là, si le 6 devient 9, là, vous serez crédible, on ne va pas vous prendre. Nous, on ne va pas vous prendre. Parce qu'on sait que vous êtes des gens, vous êtes des traîtres. On vous a endossé cette couverture. Ouattara, il veut vous salir avant de mourir. Parce que lui, là, il est déjà mort. Il s'en fout. Il veut faire de vous des gens qui ont trahi la nation. Si vous ne savez pas, vous pensez que vous ralliez à lui parce qu'il vous fait pression, là, nous, on va écouter ça. Tu es parti avec lui, là, tu es parti. Tu ne viens plus avec nous. Quand tu viens, on ne te fait plus confiance. Et même un bébé, il va te dire, oh, toi, quand ça chauffait, tu as fui, tu es parti, tu as changé. Vous voulez être un Zasso. Zasso Dagrou, là, il est comme ça. Sa veste est prête à être changée tous les jours. Il regarde seulement, allez, hop, où ça va, il s'en va. Il faut être des gens dignes. Il faut être des gens responsables. Quand on dit on veut gouverner, quand on dit on veut diriger un pays, là, il faut que les gens comptent sur toi. Ton oui doit être un oui, ton non doit être un non. Tu ne peux pas un coup être vert, demain être rouge, comme ça, parce qu'on t'est... Mais s'il faut mourir, là, si toi tu veux diriger un pays, là, il faut être capable de mourir, d'accepter de mourir. Pourquoi tu as peur? Pourquoi Ouattara va t'imposer des trucs de peur? Tu dis oui et tu acceptes. Et tu salis ton image. Moi, ce monsieur, cette personne qui va me faire ça, elle n'est pas née. Même couteau sur la gauche, tu vas trancher mon cou, je ne pourrai jamais changer d'avis. Vous pensez que les gens, ils ne nous approchent pas? Les gens, ils nous approchent. Hein? Proposition d'argent, là, on a ça. On a ça. On a ça. La semaine dernière, même encore, ils sont sur mon dos. Je peux dire, j'arrête. Et puis, je m'élève, j'insulte le président Laurent Gbagbo parce que moi-même, qu'on connaît là, à cause de l'argent, je m'élève aujourd'hui. Gbagbo a fait ça. C'est lui qui a tué. C'est comme ça. Pourquoi? Je préfère ma misère où je suis. Je leur dis, écoutez-moi très bien. L'image que je vais laisser à mes enfants là, ça n'a pas de prix. Je ne veux pas laisser la honte à mes enfants. Mes enfants là, je veux qu'ils soient fiers de moi. Voilà. Notre maman, elle a fait ça. Elle a été capable. Et quand ils font là, quand ils viennent m'approcher là, ma fille, elle est au courant. Mon fils est au courant. Des fois, quand il m'appelle là, sur Messenger, je mets haut parleur. Et puis, mon mari entend, mes enfants entendent. Et je leur dis, vous savez, dans la vie, là, la dignité n'a pas de prix. Soyez des gens dignes. Il faut avoir un caractère. L'argent, c'est quoi? Les gens sont morts. On a tiré balle dans la bouche de quelqu'un. Hein? Désiré Tagro, vous avez vu ça? Le monde assis a vu mâchoire tomber. Et moi, je vais prendre l'argent, je vais bouffer. Maman Gaïa a été torturée par des insignifiantes, des gamines qui ne savent même pas écrire leur nom. Humiliées. Et moi, je prends l'argent. Gbagbo Laurent et Simon Gbagbo, regardez comment ils ont fait au monde entier. Et moi, je prends l'argent, je me lève, je me les insulte. Parce que Ouattara m'a payé. Je ne suis pas Johnny Pacheco. Hein, ou Johnny Pacheco. Johnnyette Pachequette. Je ne suis pas sa femme. Je ne pourrai jamais être ça. Je préfère comme je suis. Si ces problèmes-là, c'est moi, j'en ai plein. Mais je ne vais jamais annuler mes problèmes par l'argent du sang des Ivoiriens. Jamais. Attends. Demain, tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ta maman, elle a fait une lutte jusqu'à des années pour aller vendre, se vendre moins cher, moi-même. Le jour où vous attendez que Naomi, elle est vendue là, venez me demander. C'est parce que les gens sont là pour salir.
Oh, on lui a donné ça. On me propose même des terrains. 10 terrains par-ci, par-là, on m'appelle. Et puis je mets, et puis je... Le jour là, quand je vais faire une vidéo, je vais vous faire écouter les voix. Et puis je dis niet. Moi là, c'est Gbagbo jusqu'à Las Calas. J'ai dit niet. C'est pas ça qui fait chose. C'est pas ça. Il faut avoir une dignité. Quand tu es digne, quand je parle souvent, j'ai dit, hier, j'étais avec des Centrafricains avec qui je travaille. Ils m'ont dit, c'est dommage. De la manière dont tu es, si il y avait une dizaine ou une vingtaine, trentaine de personnes comme ça, femmes comme ça, la Côte d'Ivoire aujourd'hui était chose. J'ai dit, mais il y en a. Ils disent, non, les Ivoiriens, vous êtes peureux. J'ai eu mal quand ils ont dit ça. Regardez en Centrafrique ce qui se passe. Je vais faire une émission dessus bientôt. On est en train de travailler dessus. Les gens, ils sont là. Oui, Bozizi a fait, il a tué. Vous ne savez pas le problème. Moi, je sais le problème. Aujourd'hui, là, le parti de Bozizi, bientôt, là, la ville, là, le président que vous voyez, là, il va fuir. Parce qu'il a fait comme Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Il a braqué le pouvoir. Et puis, il s'est assis là. Mais les gens sont debout. Rebelles aux gens, opposition, ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, si c'est ça, là, on tait nos problèmes. On va chasser le monsieur et puis après, on va parler. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils sont en train de partir. Ils sont partis. Ils sont rentrés en résistance. Là, là, c'est chasse à l'homme. C'est chasse à l'homme. Donc, famille, si le président Laurent Gbagbo avait un parti digne, là, ça, là, ça n'allait pas arriver. Quelqu'un qui dit, s'en fout de nous, on y tue. Et nous, on va dire qu'on est démocrate. Quel démocratie on veut? Quel démocrate on veut être? Sois salué, ma petite soeur Sonaki Sonak, depuis ta position. Sois tous salués. Enis Kwadja, sois salué. Hein? Quelle démocratie? Chouk Akbar, sois salué. Quelle démocratie? On parle de démocratie à quelqu'un qui est normal. Tu vois un fou déshabillé et tu veux à poil et toi tu veux lui expliquer que oui, mettre les habits c'est bon. Lui-même il te regarde et dit c'est toi, tu es plus fou que lui. S'il est comme ça là, toi tu vas lui expliquer dans la vie, non, faut mettre la... Mon frère, mets tes habits, tu sais. Mais c'est que c'est toi-même qui as un problème. On te dit le monsieur est fou. Ce matin là, quand je venais de mon travail, à peine je sors chez une patiente, un monsieur comme un ver de terre nu. Il court. À poil, hein, je vous dis, là, là, ce temps. Je sais qu'il a dû s'échapper d'un nazi quelque part. Il courait un petit blanc. Il doit avoir 22, 25 ans. Il courait, mais... Et il a dépassé une dame. Moi, il m'a dépassé, il a dépassé une dame. Moi, je me suis... J'ai eu tellement peur parce que je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, il sexe tout dehors. Et la dame qui l'a dépassé, une personne âgée, elle s'est mise comme ça. Et après, j'attends, je me suis retourné. Puis, on le regardait tous partir. Et puis, j'ai dit, mais... Il est fou, hein, on dirait, madame. Elle dit, mais du moment qu'il ne fait pas de mal, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous voyez? Donc, dans la vie, là, toi, tu vois un fou, là, il est comme ça, laisse-le. Laisse-le. Quelqu'un dit, il est malade, il faut lui... Mon père nous a toujours dit, ma fille, je vous apprends une bonne éducation. L'éducation, là, c'est important. On doit donner une bonne éducation à ses enfants. Mais le jour, moi, ton père, Robert dit... Le jour où quelqu'un vient te dire, il est mal élevé là, mon éducation là, tu prends, tu attaches, tu mets dans ta poche, tu prends saleté qui est les herbes, tu mets dedans, tu lui montres que tu es malade, tu tiens un, pour lui montrer que toi là, il n'y a pas école pour être malade, il n'y a pas école pour être impoli. Mais comme moi je t'ai dit là, c'est pour ça, et après tu prends ta bonne éducation, tu remets. Donc, il faut être comme ça. Il faut montrer à celui qui dit... Ouattara dit il est fou. Il dit il s'en fout des gens. Je vous dis, réaction Nyamwote, comportement babier. C'est tout. Le monsieur, il se fout de nous. Vous voulez qu'on fasse quoi? Quel français on va lui parler? Prenez des mots aussi pour lui expliquer alors. Parce que le dialogue que vous faites là, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Ouattara ne comprend pas votre dialogue. Ce que vous êtes en train de dire, dialogue là. Lui, il est content. Parce que nous, là, on a des gens qui sont chez eux là-bas. On a nos enfants, nos parents qui sont chez eux là-bas. Qui nous donnent les sons. Qui sont là, mais ils sont là. Ils ne savent pas qu'ils sont avec nous. Le gars, quand il parle,
il rigole. Il dit, il s'en fout des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ça parle, c'est des peureux. Et puis les gens, nos parents sont là et puis ils ont peur, ils ont mal. Mais ils ne peuvent rien dire. Le monsieur, il s'en fout. Vous pensez qu'il va faire quoi avec Assou Adou? Ou Afinguessan? Il n'en a rien à secouer. Lui, il nous maltraite. Et puis il est content. C'est pour ça, nous là, j'ai dit, restez à l'écoute. La Dream Team là va libérer ce pays-là. Par la population, nous on n'a pas d'âme. La population va s'élever. On n'a pas besoin de leader parce qu'il n'y en a pas. Le leader là qui est là, il est en prison. Ils sont en prison. Gbagbo Laurent, Blé Goudé. Ils savent pourquoi. La seule personne qui pouvait parler en Côte d'Ivoire là, c'est, comment il s'appelle? Quoi Justin? Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Lui, quand il sait là, puis chéri, balai en prison. Quand il voit que tu es dangereux, tu peux faire bouger les choses, il te prend, bah, il te met en prison. Mais vous négociez, on ne sort pas vos parents de prison. Ils sont en train de mourir. Vous voulez quelle négociation? Aujourd'hui, là, si vous vous levez là, qui va vous donner tort? L'ambassade de France n'est pas à Abidjan. Qui est parti déjà? Quelle opposition? Vous dites, vous êtes un groupe d'opposants. Qui est parti manifester déjà devant? Vous êtes tout le temps en sourdine. C'est vous qui allez négocier sans même saisir vos gens avec lesquels vous êtes dans le groupe. CMT là. De un s'élève, il va parler. Il prend ses sous, il s'assoit à la maison. L'autre s'élève, il va parler. Vous parlez, vous partez en chose. Seul, seul. C'est ce qu'est l'opposition, ça. C'est quelle opposition? Quand on dit on est opposant là, on va faire les choses, tout est clair, clair. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va pour dire ça, 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 ça. On y va. Mais Diakoumani s'élève, il va dire, Ouattara dit, tiens, 100 000, tais-toi, va t'asseoir. Casse les pieds aux autres, ok, toi tu retournes. Ourou s'élève, il va dire, Ouattara dit, tiens, prends, va t'asseoir. Saga s'élève, il va dire, Bakroni s'élève, il va dire, ça là, on va quitter dans sa camp. On va quitter dans sa camp. Vous partez en solo. Chacun dit ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut, il s'assoit. Après, vous venez quand l'autre, c'est que l'autre a eu beaucoup, il commence par là maintenant. C'est là, ça sort comme ça sort. Et ça nous rejoint ici. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça là, c'est plus lourd que vous. Ce que vous avez commencé, vous ne pouvez pas. C'est Dream Team qui va terminer ça. C'est de ça qu'on parle. C'est Dream Team qui va terminer ça. C'est pour ça que je vous dis, famille. Dream Team là, c'est l'association de tous les Ivoiriens qui sont contre le troisième mandat et qui veulent le départ de Dramane Ouattara. Venez vous abonner. Venez dans nos inbox. On va vous dire. Ceux qui sont aux États-Unis, il y a Madeleine Kondo. Bientôt là, on va faire collecte des fonds. Les jeunes vont s'élever. C'est de ça qu'il s'agit. Les jeunes vont s'élever. Toi qui envoies demande d'amis là, quoi on dit, demander quelque chose. J'espère que ce n'est pas pour venir. Vos demandes d'amis là, moi, vous allez dormir dedans. Moi, je ne dis pas non, je ne dis pas oui, tu es dedans. De temps en temps, je regarde et puis je vois, j'étudie tout comment tu es. Puis d'autres envoient demandes d'amis et puis ils sont assis au milieu avec Ouattara à gauche, à droite. Tu fais amitié avec moi, pourquoi? Tu veux quoi? Tu es avec Ouattara, il est assis dans ton salon. Il y a même la représentante de quoi? New York. Ouattara assis là. Tu viens. Salut ma soeur. On est enfant de Côte d'Ivoire. Boché. Tu n'es pas enfant de Côte d'Ivoire avec moi. Si tu es enfant de Côte d'Ivoire, tu ne vas pas t'asseoir avec le tueur de mes parents. C'est comme ça qu'ils font pour nous approcher. Donc quand tu es dans le combat là, il faut Ouattara là. Il faut des gens déterminés. Il faut des guerriers. Si tu es pour la libération de la Côte d'Ivoire, rentre dans la Dream Team. C'est tout. Rentre dans la Dream Team. C'est en train d'être structuré. On va chasser ce monsieur-là propre. Comme ils ont fait en Tunisie. Comme ils ont fait en Tunisie, ils n'ont pas eu besoin de choses. Ils n'ont pas eu besoin de leader. Qu'est-ce que c'est leader? Toi, tu es leader. Tu es leader. L'autre, il est leader. Nous tous, nous sommes des leaders. On n'a pas besoin que quelqu'un... Nous tous, on peut s'entendre, on dit, on sort. Et puis on sort, ça ne chauffe pas. Ce monsieur-là, ce sauteur de clôture professionnel, il faut le surprendre. Il faut le surprendre. On n'a pas besoin de demander autorisation. Oui, tu vas en guerre, tu dis à ton ennemi, ah, j'arrive demain, mais j'ai 3 fusils, 4 balles, ou ça, ça. Tu crois qu'il est con, il va t'attendre? Si toi, tu as 3 fusils, lui, il va chercher 20 fusils. Mais quand il est dans son sommeil, tu arrives là, il est surpris.
C'est de ça, c'est comme ça qu'il faut agir avec un dictateur qui vous a dit on demande autorisation. Oh, on va sortir tel jour, meeting là. Vous arrêtez de fatiguer les Ivoiriens. Nous, les enfants qui nous parlent, ils disent on attend. Les mamans, on vous attend, les papas, on vous attend. Parce qu'eux, ici, là, ils ne sont pas prêts. Ils mangent, c'est nous qui souffrons. Et nous, on leur dit, vous, la jeunesse, là, c'est vous qui êtes en difficulté. Eux, ils n'ont pas de problème. Hein. Ils sont déjà rassasiés. Tu les vois même là, ils sont, même avec gel des avoirs, ils ont des gros ventres. Quand tu ne manges pas, tu n'as pas gros ventre. Tu maigris. Ventre là, depuis 10 ans, c'est gros toujours. C'est que tu manges. Donc, famille, c'est nous-mêmes qui allons libérer notre pays. Nous, les Ivoiriens, ensemble. C'est nous qui allons libérer notre pays. On ne peut pas laisser notre pays dans la main des gens. On ne peut pas dire qu'on est fatigué, on laisse la Côte d'Ivoire comme ça. Non. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. C'est notre héritage que nous allons léguer à nos enfants. Ça, là, ça n'a pas de prix. S'il faut mourir, on va mourir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que Ouattara, il pense qu'il va être là. Hein? Il va être là et puis prendre le pays. Et moi, je vais aller où en vacances? Ça fait 10 ans que je n'ai pas été chez moi, c'est déjà long. J'ai dit, cette année-là, Ouattara va partir. Il va partir. C'est quand, ce qui va arriver là, personne ne pourra. Moi, je dis ici, tout coup d'État sera salutaire. Toute rébellion, là, moi, je vais soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui est rebelle, il faut l'enlever avec la rébellion. Parce que là, il a violé la Constitution. C'est la rébellion. Tu n'as pas été élu. Et tu veux forcer, rester là. Tu prends pays des gens en otage, en prix. Tu t'assois dessus. Nous, on va te regarder. Et nous, on va errer dans les pays des autres, aller faire du braconnage, braquer pays des gens. Il faut arrêter. Donc, nous, là, on est prêts. Les Ivoiriens, ensemble, on va le chasser. Ceux qui viennent, les étrangers qui sont là, qui vivent paisiblement leur vie, qui ne se mêlent pas à la politique, ils n'ont rien à voir avec nous. On n'a pas de problème avec eux. Ils sont libre d'être en Côte d'Ivoire. Mais toi qui es étranger, tu es venu là et puis tu veux marcher en zigzag, rentrer dans nos problèmes. On va te mettre avec Ouattara, vous mélanger, vous tous. C'est ça qui est la vérité. Quand on dit ça, vous allez dire on est xénophobe. Je suis dedans même habillé, jusqu'à la, au slip. Tout est xénophobie. Donc famille, je dis, préparons-nous à libérer notre pays. Préparons-nous, soyons des guerriers. Notre pays là, c'est notre pays. On ne doit pas abandonner la Côte d'Ivoire dans la main des autres. On ne doit pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main des étrangers. Moi, quand je vois des images qu'on m'envoie des gens, des choses, et puis les gens me disent, on me montre des images où un Burkinabé a machette, et puis l'Ivoirien comme ça, il a peur. Parce... Et puis après, on montre le cadavre du monsieur découpé, ça me fait mal. Donc, famille, soyons des rebelles, voilà. Lui là, il est rebelle. Nous aussi, on va être rebelle. Sans âme, on va le chasser. Regardez le film. Regardez le film. Moi, mon combat là, je suis heureuse. Quand je lis des pères de famille, des mères de famille qui m'envoient des messages pour dire, ah, vraiment, maman Naomi, ma soeur, j'ai vu, quand je vois tes vidéos, je dors. C'est pour ça Facebook là, il nous bloque. Je dors, je ne dormais pas, ça, j'avais plus d'espoir. Je suis malade, mais ta vidéo, ça a été un traitement pour moi. C'est tout un plaisir. Ne laissons pas nos parents souffrir. C'est pour ça, même quand je ne suis pas en forme, là, vous me voyez, je suis très enrhumée. Et je fais la vidéo pour mobiliser, pour parler à mes parents, pour dire que le combat n'est pas terminé. Pour dire que le serpent, là, il ne faut même pas qu'il se fatigue, on va le chasser. Pour dire qu'il reste serein, qu'il reste en prière, Ouattara va tomber. J'ai dit, Ouattara va tomber. Il va tomber. Le pays, ça nous appartient. Mais restons pas là à croiser les bras, à faire comme les gens qui disent, prions et puis Dieu va nous libérer. Dieu ne va pas descendre pour nous libérer. Dieu, là, il va se mettre au devant quand nous, on sera debout. Donc, arrêtez de confondre les choses. Restons en prière. Le combat, là, il est spirituel. Il est spirituel, mais toi-même, tu dois t'élever. La spiritualité, là, ce n'est pas que tu es couché et puis Dieu va venir comme ça et puis décapiter Ouattara. Tu rêves. Tu rêves. Si toi-même, tu te lèves là, les balles d'assassins de Dramane Ouattara, quand tu as prié là, quand il dit, ça retourne, ça part, ça ne te touche pas. C'est comme ça. Mais ce n'est pas que toi, tu vas t'asseoir dans ta maison, bien au chaud, et puis prier. Tes genoux vont finir par terre. Ouattara sera toujours là. Donc, il ne faut pas nous fatiguer. Nous, on va aller au combat. Nous, on va aller au combat. Même dans la Bible, là, ils ont fait la guerre. Hein. Les Égyptiens,
Je ne connais pas très bien la Bible, mais il y a guerre dedans. Les passages que j'ai lus là, j'ai vu la guerre pour libérer le pays. Les pharaons là, ils ont tué, ils ont fait la guerre. Donc il faut que les gens comprennent que ce n'est pas Dieu qui va descendre. Arrêtez de tout boire dans la Bible. La Bible est bien, je sais, c'est la parole vivante. Mais Dieu, quand il parle là, il faut faire le discernement, il faut comprendre. Vous comprenez comme ça, vous ne lisez, vous comprenez, vous n'ouvrez pas l'esprit. Ce n'est pas ça. Hein? Dieu va venir, Dieu va faire. Il y a d'autres mêmes qui m'appellent. Tu as fait ta part, maintenant c'est Dieu qui doit. Hey! Dieu ne va rien faire ici. Hein? Dieu, il a beaucoup. On n'est pas seul sur la terre. Il a trop de travail. Lève-toi et puis il va te mettre, t'habiller de son manteau de gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Tu crois que tu vas t'asseoir et puis lui va se battre. S'il doit se battre pour tout le monde là, on est assis. Vous croyez que ce n'est pas travail ça? Il faut arrêter. Lui, comprenez la Bible. Comprenons la Bible. On doit aller affronter Dramane Ouattara. Ce monsieur-là, si on ne l'a pas affronté là, il ne va pas nous respecter. Il ne va pas nous respecter si on ne l'affronte pas. Parce qu'il nous nague. Il se fout de nos gueules. Il nous nague tout le temps. Et ça là, c'est inadmissible, insupportable. Moi, je ne peux plus supporter. Hein? Quand ils parlent, les Ivoiriens, ils sont des peureux, les bitoko là. Quand tu les regardes même, c'est des gens comme ça qui peuvent être ministres en Côte d'Ivoire. Et ça là, on va accepter ça. Les Kandia Camara, moi-même, je suis plus intelligente qu'elle. Et ça là, on va supporter ça. Et on est là, vous dites, pour prier, Dieu va faire. Dieu ne va rien faire ici. Moi, je prie contre même qu'il ne fasse rien. Si c'est vos bêtises là, on n'a qu'à se lever pour y aller. On n'a qu'à s'élever. On doit s'élever pour récupérer notre pays. C'est notre devoir de sauver notre patrie. Vous pensez que les Arabes, là, Dieu ne les aime pas? Mais pourquoi ils sont dans le combat? Ils sont en train de se battre, pourquoi? Les Arabes, là, ils sont en train de se battre, non? Ils sont en train de se battre, pourquoi? Ils sont en train de se battre, pourquoi? Ils sont en train de se battre, pourquoi? Martha, je vais essayer de te prendre, hein, mais je crois qu'ils vont couper. Comme j'ai déjà fini de parler, je vais te prendre quand même. Tu vas parler rapidement, mais si ça coupe, c'est que c'est bon. Parce que eux, là, ils coupent. Donc, famille, c'est votre soeur Naomi veut t'aider. On est allô? Ensemble. Ah bon, ils coupent aujourd'hui. Oui, allô? Hey, bonjour la grande. Bonjour. Ça va? Oui, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Tu me vois pas, je suis occupée, c'est ça. Ok. En tout cas, vas-y alors. Bonjour, bonjour famille. C'est Martha Ba. Hein. Bonjour à tous ceux qui sont sur la vidéo. Bonjour. Mon petit message que je voulais passer, c'est de dire à mes parents de la Côte d'Ivoire, à mes parents de la Côte d'Ivoire, que ce combat-là nous appartient. Dieu a permis, si on me dit Dieu a permis d'ouvrir nos yeux, là je peux comprendre. Mais dire que Dieu va quitter au ciel pour venir nous aider, là, ça, là, c'est pas possible. Vous n'avez pas remarqué que ce sont que dans les pays africains, il y a tout ce désordre-là. Eux-mêmes qui ont fait leur truc-là, pourquoi chez eux ici-là, on n'attend rien? C'est toujours en Afrique, nos pauvres parents doivent mourir. Donc aujourd'hui-là, on va désobéir à Dieu et puis nous-mêmes-là, on va aller au front. C'est nous-mêmes qui allons faire ce combat-là. Et il y a certains qui vont dire, oui, toi, tu es là-bas. Oui, il n'y a pas de problème. Quand les gens sortent dans les autres pays, là, on n'a pas encore vu les avions débarquer pour dire, on est venu soutenir nos parents pour faire palabre et puis repartir. On n'a pas encore vu ça. Quand le général de Gaulle était en Angleterre ici, et puis il donnait les flèches en France, là, il était là. Est-ce que les Français ont dit, non, quitte en Angleterre, là-bas, il faut venir et puis tu vas te battre? On vous a vu autrefois, quand on a dit Félicia là, hein, les cas étaient B, on vous a fait les blocages même, mais vous êtes parti. Est-ce que vous avez vu des avions qui sont quittés en Angleterre, qui sont quittés en France, qui sont quittés en Italie, qui sont quittés dans les pays là pour aller combattre, pour revenir? Non. Là, on vous a vu. Donc le pays, la Côte d'Ivoire là, ça est dans nous-mêmes, nos mains. Les hommes politiques, là, la guerre là, a permis que la guerre là, nous a
ouvert les yeux. Dieu là, il ne fait rien au hasard. La guerre nous a ouvert les yeux pour nous faire comprendre que voilà comment vos politiciens là, voilà comment ils sont. Vous qui les applaudissez là, voilà comment ils sont. Moi, j'ai dit, ma terre d'abord. Les hommes politiques là, ils sont passagers. Voilà Afiou Nguessan hier là. On a eu l'insomnie pour Afiou Nguessan ici. Il est sorti, il a eu Yomo. Hein? Il a eu Yomo pour mettre sur sa tête. En même temps, il s'est retrouvé au Ghana. En même temps, il est grave. Hein? Et puis, on va nous dire que oui, Afiou Nguessan, ceci, cela. C'est fini. J'ai dit, leur jeu politique là, nous, on ne rentre plus dedans. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à les tuer. C'est moi-même qui avais pitié ici. J'ai dit, peut-être que les gens là, Ouattara les menace, Ouattara fait ceci, Ouattara fait cela. Mais eux là, leur mort n'est pas mieux que nos enfants qui meurent. Eux là, ils ne sont pas mieux que nos enfants qui meurent. Parce que si tu veux être homme politique, et puis tu es au devant d'un peuple, et puis tu sers à zéro, mais ça ne sert à rien, il faut quitter devant, la jeunesse va prendre. Tu quittes et puis la jeunesse prend. Hier, on a vu Simone Gbagbo et Gbagbo. Voilà des gens, moi je peux dire qu'ils aiment leur pays. Mais des gens aujourd'hui là, ils disent I, demain ça change, ça devient A, après ça devient O. On ne les comprend même pas. C'est des gens comme ça qui sont là, qui portent habit des Occidentaux seulement. Hein? À part Assou Adou qui est dans ses robes. Sinon, les autres là, ils sont choses, comme on appelle. Ils sont toujours dans les costumes, matin, midi, soir, costume. Ils ne valorisent même pas. Des gens qui sont toujours dans les costumes là, ils vont faire qu'un palabre. Ils vont faire qu'un palabre. Donc le peuple, là, ça nous, la Côte d'Ivoire là, nous appartient. C'est nous là, nous on dit, on est illettrés là, dans notre illettré là. Nous, on dit, on veut la Côte d'Ivoire. Maintenant, eux qui sont lettrés là. Ils ont mangé dans leur coin là, jusqu'à leur bras pieds avec cuvette, tout est mélangé là-bas. Eux là, ils sont lettrés. Mais nous, on dit, on n'est pas au restaurant là. Nous, on veut notre pays. Parce que notre pays d'abord, c'est ça là. Demain, on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants, tous nos trucs là, ça, eux, on va laisser. Parce que nous là, nous sommes passagers. Donc, grand soeur, je te soutiens. Je te soutiens. Le pays, c'est la Dream Team là qui va libérer la Côte d'Ivoire. Les enfants dignes de Côte d'Ivoire là, c'est nous là qui allons faire que ce type là va partir. Et cette nouvelle là, elle est plus dangereuse même que Ouattara. Elle est plus dangereuse que Ouattara. Donc, tous leurs moyens là, ils vont se suivre. Toi, Afiou Nguessan, tu as le courage de t'habiller en costume, aller au Ghana, au funérailles. Pendant ce temps, tu as donné un mot d'ordre, il y a les enfants des gens qui sont morts pour toi. On n'a même pas entendu un petit mot, mais tu as eu le courage d'aller au Ghana. Ça, là, ça se dit politicien. Ce sont même... Non, mais, petite soeur, hein? Aller au Ghana ne me dérange pas. Mais s'il va au nom de l'opposition, mais ce qui me dérange, c'est que Draman, ils disent que Draman l'emploie pour représenter. C'est ça qui me dérange. Sinon, Rollins est l'ami du président Laurent Gbagbo. S'il va au nom du président Laurent Gbagbo et de l'opposition, ça ne me dérangeait pas. Mais Draman va l'envoyer, non, ça passe pas. Mais c'est de ça que c'est parce que justement, c'est parce que Draman l'a envoyé. Dans leur système, c'est de mettre le vrai FPI de côté, FPI de Simone là. Parce que quand moi je dis FPI là, c'est Simone Gbagbo. Voilà, les mangeurs là, moi c'est pas eux, moi j'appelle FPI. Pour Afi là, il sait comment lui le nom qu'il a là, mais ça là c'est pas FPI. Parce que le FPI, nous on a connu. Quand ça a été créé, et puis on a connu là, c'est un parti qui est digne. Voilà pourquoi nous autres là, on est derrière eux. On n'est pas supportif. Gbagbo avait le même comportement qu'Afi là. Qui va le suivre? L'autre jour là, c'est pas le même Afi là. Il a fui, il a porté robe pour fuir, pour quitter le pays. Et puis ils l'ont attrapé, non? Son même bonnet là, son Jean Bonnet là, c'est lui. Parce que moi, je me suis dit quoi? J'ai dit peut-être qu'ils étaient dans un système. Parce que toi, ton mentor est en otage. Et toi, tu viens sur les réseaux, tu nous parles de législatif. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été déjà planifié. Pour moi, là, ça a été planifié. Ils savaient dans quoi ils étaient. Ils savaient à quel jeu ils jouaient. Donc, moi, mon dernier message,
c'est de dire au peuple, le peuple, toi-même, tu les vois. Hein. Vous, les jeunes, là, vous êtes là. Et puis, c'est eux, là, ils ne sont jamais fatigués de manger. On ne les voit même pas enseigner les jeunes. Par exemple, au JFPI, ils n'enseignent pas les jeunes. Les jeunes, là, les JFPI, là, ils les prennent, ils les mettent en prison. Un jeune qui se lève, qui dit, non, moi, je ne suis pas d'accord pour ça, on le prend, on le fatigue. Donc, Côte d'Ivoire, la Dream Team, là, tu vas t'adhérer. C'est pas quand je dis adhérer, là, c'est pas pour payer. Il faut dire que toi, tu es d'accord avec le départ de Ouattara. Aujourd'hui, là, nous, notre combat, là, c'est le départ de Ouattara. C'est ça, hein? Sinon, c'est pas autre chose. Pourquoi tous ceux qui sont en prison depuis 2010, là, ils quittent là-bas? Pourquoi il y a les familles des gens depuis 2010? Ils meurent là-bas seulement. Ils passent leur temps à mourir. Pourquoi? Pourquoi? Donc, regardez seulement. La Dream Team est en train de s'apprêter. On va s'apprêter. Les mots d'ordre, on n'attend plus un homme politique pour lancer ça. On n'attend plus un homme politique. Hier, là, on les a considérés et puis on leur a dit, oui, c'est vous, on vous regarde. Mais aujourd'hui, là, la chaise où on les avait déposés hier, là, ils ne sont plus sur cette chaise-là. On les voit désormais comme un WC public. Ceux-là, ils sont un WC public pour moi en ce moment. Il n'y a plus d'homme politique. Un homme politique là, qui dit que lui connaît la politique, il tape son cœur. Il dit, moi là, oui, je veux la libération, je veux que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Ce que nos enfants vivent là, ils vont arrêter. Moi seul, mon enfant ne va pas manger. Les enfants de tout le monde doivent manger en ce moment. C'est ça. C'est ça, on dit un homme politique. Donc, grand soeur, je m'arrête là. Merci à tous ceux qui sont là. Bonjour encore. Et puis, on est ensemble. Merci. Bisous. On est ensemble. Merci beaucoup. Donc, famille, voilà, je pense que tout a été dit. Hein. Donc, je dis, la Dream Team, là, venez dans nos inbox. On est ensemble jusqu'à Lascar. C'est nous qui allons libérer le pays. Marie-Betty Benoît, tu dois être dans la Dream Team. Vous tous là, hein, vous devez être dans la Dream Team. La Dream Team a besoin de tous les Ivoiriens. Tous ceux qui ne veulent pas que Ouattara reste dans leur pays. Guéa Yvonne, tu dois être inscrit dans la Dream Team. Hein, vous tous, Harriet Tubman, Dream Team, China Britt, Dream Team, vous tous, si vous voulez le départ, Adèle Oulahi, Dream Team, vous devez vous mettre dans le processus de la libération de la Côte d'Ivoire. On n'a pas d'âme, mais on va mobiliser nos enfants. On va leur parler, on va leur mettre les moyens nécessaires pour qu'ils puissent rester dans la rue. On va les nourrir jusqu'au départ de Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. C'est chaque personne donnera sa contribution en fonction de ses moyens, de ce qu'il peut. Donc, moi aussi, frère, on est ensemble, Georges Brou, on est ensemble. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment libérer. Si on attend nos politiciens, que ce soit PDCI, FPI, comment dirais-je, PIT, eux tous là, on va rester comme ça. On va rester, parce qu'ils sont bien dedans, hein. On va rester comme ça et il n'y aura pas d'avenir pour nos enfants. C'est nous là, on n'a pas besoin de leaders. Chacun est leader. Georges Brou, tu es un leader. Tout le monde est leader. Il y a pas de leader. On peut pas. Parce que quand on atteint un leader, c'est ce qu'on... Nous, là, dans la Dream Team, il n'y a pas de président. On s'est dit, même s'il y a un président, ils ne sauront pas qui est président. Parce que s'ils savent, et c'est ce que j'ai dit à mes enfants, à mes petits frères, j'ai dit, il faut une présidence tournante. Hein? Parce que s'ils savent, là, ils vont t'acheter. Donc, c'est ça qu'on va imposer. On impose. C'est ce que j'ai suggéré à mes frères. Et puis, même si tu es là, on ne saura pas que tu es là. Il ne faut même pas qu'ils sachent qui est là. Il y aura seulement quelqu'un qui va dire le communiqué à chaque fois. Sinon, on ne saura pas qui est président ni machin. Il n'y a pas. Parce que s'ils savent là, Ouattara faisait pieds et mains pour aller corrompre ce président. Donc, il ne faut pas. Si tu veux faire, il faut faire calme. Parce que le président, après, il va avoir grosse tête et puis comme ça, et puis ils vont le corrompre. Non. Il n'y a pas ça. Et on ne saura même pas. Dream Team, vous ne saurez jamais qui est son président. Nous, on sait dedans, mais personne ne saura. Il y aura un porte-parole qui viendra parler seulement. Toi, on te dit, ça peut être Mataba aujourd'hui, demain Sonaki ou moi ou comme ça, ça tourne. Donc, il n'y a personne, même que Ouattara va savoir pour aller acheter. C'est comme ça. Tu es là, tu fais tes 3 mois ou 6 mois, tu pars. C'est comme ça, ça va tourner.
Parce que quand on s'assoit là, c'est là, on prend la grosse tête et puis tu commences à vouloir dire tu es chef d'État, péter plus haut que ton derrière. Donc, famille, il faut être prêt. Moi, je vous dis, je vous ai donné ma parole. Parole, ouais. Quand je dis ouais, là, ce n'est pas les vendus, les comment serrer d'eau à Garo, là, les corrompus, les ouais vendus qui n'ont pas de dignité, là, les nouveaux ouais. Moi, je fais de la. Mes descendants, là, mon grand-père, c'est un dignitaire. Quand on dit son nom, je ne vais pas dire son nom pour ne pas que Ouattara ait tué mes parents. Quand on dit son nom dans la région, on connaît. Du côté de ma maman, grand-père et grand-mère, du papa, tous c'est des chefs de choses. Mon grand-père, c'est lui qui a fait que Bangolo et Bangolo a gardé la sous-préfecture, il a fait la prison sous refus. Donc, quand on dit le nom dans la région, là, ouais, on me respecte. Donc, nous, on n'est pas des choses. Moi, je suis de l'ancienne école. J'écoute l'ancienne école. Pas les corrompus, là, qu'on donne l'argent seulement, ils sont prêts à changer des vestes. Non, non, non. Axel Chaillou, sois salué depuis ta position. Donc, on est tous, même Axel, tu es leader. Tout le monde est leader. Venez à la Dream Team. Venez dans nos inbox. Venez, on va libérer notre pays. C'est tout. Faut pas, on va attendre tous ces farfelus, mailleurs là, qui pensent à leur ventre seulement, là. On n'attend rien d'eux. Nous-mêmes, on va libérer la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense vous avoir tout dit. Mon mot de fin, c'est de garder espoir. Vous savez, là où on passe, quand je le dis souvent, même quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux et j'ai des frissons. Je sais que la Côte d'Ivoire va être libérée. Et ça sera beau. Chaque Ivoirien va investir en Côte d'Ivoire pour créer des emplois pour nos parents. Chaque Ivoirien aura quelque chose. Même un vendeur d'Akeke, de Plakali, de Pouspous sera un Ivoirien. Regardez le film. On est au travail. Ne désespérez pas. Si vous êtes là, je ne veux pas. Quand j'ouvre le Facebook et je vois un jeune AVC, vous savez, depuis que Ouattara est arrivé, vous savez le nombre. Moi, j'ai des neveux, deux neveux qui sont des médecins à Abidjan, dans les hôpitaux UP de la Côte d'Ivoire. Enfin, UP, on va dire, hein, parce que. Faut vite le dire. Mais quand ils te disent le nombre des jeunes qui font des AVC, des enfants de 18 ans même, ils font des AVC. Depuis que ce chien-là est venu se mettre sur nos têtes, nos enfants sont opprimés, ils sont stressés. On a des AVC, des enfants. Donc ça, là, ça fait mal. Il y avait des morts avant, mais comme ce qu'on voit là depuis Ouattara est là, c'est trop. Des jeunes qui tombent, AVC, regardez. Ils sont trop stressés. Ça ne va pas au pays. C'est pour ça qu'il faut qu'on chasse ce monsieur-là. C'est le soulèvement populaire. Et puis nous, là, qu'on va chasser ce monsieur-là. Quand le peuple va le chasser, c'est le peuple qui dira, toi, tu vas être ministre. Toi, tu vas être ça. Parce que c'est nous qui avons souffert. Et puis vous, nos enfants qui avez fait des études, là, nous, on va vous dire, suis-là. Ce n'est pas comme avant, ils sont venus faire la... Le bordel, non, ça va plus. Si nous, on donne nos poitrines là, c'est pas pour ça. C'est pour que nous là, et nous, on sera derrière. Nous, on veut pas de poste, hein. On sera derrière. Quand quelque chose veut sortir, vous, nos enfants, vous venez demander notre avis. On sera les conseillers, on va vous conseiller. On est là, sans salaire, on s'en fout. On est assis et puis on conseille pour que le pays avance. C'est comme ça les pays qui ont avancé là. Le Rwanda, tout ça, c'est comme ça ils ont fait pour avancer. Les sages, nous, on sera là pour conseiller. Ah! Les mamans, groupe de ça, on veut faire ça, et puis on vote. Et puis ça, si c'est la merde, là, nous tous, c'est nous qui avons demandé la merde. Donc on assume, mais on ne va pas laisser n'importe qui venir. Nous, on va se battre, et puis vous allez vous asseoir demain, vos enfants vont venir se coiffer ici en France. Et comme on voit, on a vu là, non. Les Ahmed Bakayoko, là, les enfants prennent jet privé, venir se couper les cheveux à Château d'Eau. C'est fini ça. C'est fini. On va se battre, récupérer notre pays et puis on va le pousser pour avancer. Donc, il faut. Ne désespérez pas. Moi, ma crainte, c'est de vous voir inquiet. Ça me fait mal. Dormez tranquille. Dites-vous, Naomi a dit, je vous dis, Ouattara va partir. Si Ouattara ne part pas là, crachez sur moi. Crachez, même insultez-moi sur mes directs. Si Ouattara ne part pas, moi, je dis en décembre, je suis à Abidjan, non? Je suis à Abidjan. En décembre, là, Naomi à Abidjan. On va fêter à Abidjan. Je vais filmer de l'aéroport d'ici jusqu'à Abidjan.
C'est de ça qu'il s'agit. Mais soyez tranquille. On travaille. Laissez seulement le film là. Il sera trop doux. Il sera doux. C'est moi qui vous dis ça. Donc, c'est ça. C'est votre soeur Naomi Vétidé, votre maman, à certains. On est ensemble. Parce que j'ai une fille de 33 ans. Hein, donc, beaucoup sont mes enfants. Donc, 32 ans, bon, ça va tellement vite. Si elle était là, elle va dire, maman connaît jamais mon âge. donc, vous voyez, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Et je vous aime, c'est sincère. Je suis comme ça, je suis entière. Je ne sais pas faire du... Je ne suis pas faucheton. C'est pour ça que je ne supporte pas les gens qui sont comme ça. Quand ça ne va pas, tu dis, et puis on avance. Et je ne suis pas rancunière. Quand je me fâche, quand je veux être rancunière, je te dis, c'est fini, c'est pour de bon. Je ne reviens pas en arrière, c'est pour ça que je me fâche rarement. Donc, famille, on est ensemble. On est ensemble. La Côte d'Ivoire, là, elle va nous revenir. C'est à nous, c'est Dieu qui nous a donné. C'est parce qu'on n'a pas pris la Côte d'Ivoire comme Dieu avait fait pour nous. On l'a pris comme ça, en bizarre, en hasard. On l'a souillé. C'est pour ça que Dieu nous fait passer par ces sentiers-là. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. J'ai dit, Dieu me l'a montré la semaine dernière dans mon songe. Et je me trompe, mes songes, j'ai dit, ça sera libéré. Je vous dis, regardez seulement le film, je ne veux pas trop parler. Regardez, Ouattara va partir, il va tomber. Le mur que Dieu m'a montré qui est tombé là, c'est Ouattara. Le mur devant lequel j'étais, je veux monter, je n'arrive pas. Que, qui est tombé, qui s'est écroulé, c'est Draman Ouattara. Regardez le film, je vous ai dit ça, retenez ça très bien. Bientôt Ouattara va tomber. On est ensemble. On est ensemble. Je vous aime et c'est sincère. Bisous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. On est ensemble. À bientôt.